qui est na tourbillon place tourbillon zali moi na zo baluka na place wana na mai wana mai zo balola e zo balola e et tout ce côté ya bambou moi na gangi ne bande ko ba pêcheur ba se dépêcher mbangu ba ki pona tina na ko sauver moi na botala na état moi na moi na kitoko boye ba bo ki pona ni parce que ba difficulté isoleka. Shalom peuple de Dieu, ngai ndeko na bino sœur Jenny Fernandez, la servante de Dieu. Nazali ko beng sabino na milulu tozali ko organiser ya 5 décembre toko banda le 12 avril ndetoko silisa le 10 mai na milulu na biso ya liboso. Na nzambe évangile ezali ofile, mais évangélisation esengaka makoki. Nazali ko bengisa bana nzambe nyonso tout ya partout dans le monde. Boya ko soutenir misala nzambe, nde boye pe nzambe akokanisela bino na tangu ya soupe. Bien aimé, nyonso tout okozala nango na maboko, nzambe ko tuta motema na yo, kanisela bandeko nyonso tout otozo kene ko sauver milimo wana. Oyo ba yokana nu komo nzambe te ba ebite ndenge nzambe asalaka na vie ya moto. Ndenge nzambe transforme ma kavia moto bien aimé yo moto nzamba benga yo yo se comprena mystère ya nzambe soutenir ministère oyo pesa oyo nyoso to kozala nango ezala savon ezala sete ezala soutien ezala libaya ezala elamba mwana jouer yaka nango tozali kozela bino po to soutenir ministère oyo to soutenir évangélisation oyo enzamba kosanini akokanisela bino yo muto lelaka likambu na yo zolango na nous solution te yango yo er yango yo o sala nini o gagner quelque chose na part nzamba enzamba kokanisela yo mwasi oyo atanga makila mwasi oyo azanga kimia mwasi oyo lukaka kobota mwasi oyo lukaka libala mwasi oyo lukaka alonga na bali en famille ya ya kanisela ndeko moko azovanda quelque part mai kuta melezate lipezate mbongo traitement ezate place a kolala zolala na carton biso to koleka na ba quartier wana nyoso tout to kokende ko visiter bandeko basi oyo bazo kosala ko teka nzoto enzamba ko sa nini akokanisela yo. Que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue, comme d'habitude, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Infiniment merci à Sarive Mbala, merci également à Jordan Panzou et Jounan Zouzi. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Certains ont choisi de nous suivre pendant la nuit également. Un bon nombre de gens nous regardent pendant le jour. Nous sommes vraiment, vraiment de cœur avec vous. Infiniment merci à tous nos partenaires. Donc, commençons par J.L. Combo de Genève, clin d'œil spécial à toi. Merci également à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Maman Marie M. Five depuis Liège. Merci. Maman Angela Zavatunga, grand merci Nayo. Et je penserai également à la bande d'écho. Nous surtout Oyo. Bouzalaka, Nabiso et Longo, en tout cas au four et au moulin, à chaque moment que nous avons besoin de vous, vous êtes présents et prêts à servir parce que c'est ça notre devoir d'ailleurs. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons vous informer et la formation sera au rendez-vous. Et comme vous le savez toujours, que le divertissement est un peu modéré chez nous. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Alors aujourd'hui, nous allons toucher un point très très important. Puisque c'est, ça commence maintenant à déranger. Ça dérange un peu. Pourquoi? Parce que l'ELO, en République démocratique du Congo, touchant particulièrement la ville-province de Kinshasa, où ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et les gens ont tendance à croire comme si ils en ont habitude. Vous savez, comme j'ai toujours dit, Kinois d'hier ou Congolais d'hier, c'était quelqu'un de respectueux. C'était quelqu'un au hasard qui incarnait la vraie valeur. C'était quelqu'un au hasard qui toujours koluka lolendo, toujours qui azala au point. Vous savez, en parlant du Zaïrois ou du Congolais,
vous sentez que mutuna mutu aussi là effort, c'est à dire que mutu mugo a l'olende, mutu mugo a son carte de valeur et belé. Contrairement na oyalelo, les Congolais qui a perdu sa place, les Congolais qui aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congolais, entre autres dans certaines communautés na bamboka misusu, on fait allusion directement aux voleurs, on fait allusion aux escrocs, on fait allusion aux gigolos. C'est-à-dire toutes ces personnes faibles d'esprit qui ont besoin à ce que basale la bango. C'est-à-dire les Congolais d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pratique la loi des moindres efforts. Ah, nana salaté, na zela, na bike, neko X ou Y a ko sala. Neko X ou Y arrivant sur le terrain ou sur place, trouve également qu'il y avait quelque chose qui était abandonné. À l'obité, je sais que derrière moi, en marchant, na tika ki jaune à zoya. Bon, nana pressé, na ki je m'en veux. Jona fera ce que je devais faire. Lui, à son tour, arrive. Sachant que neko moko azana simakuna, à l'obité, vi Roger de Mampouya, azana simakuna. Ah, vi akoya na ako sala na. Et petit à petit, le pays est en train de brûler. Petit à petit, le pays est en train de tomber dans un état chaotique. Voilà pourquoi ce que je vous ai toujours dit, nous disons quand même clin d'œil spécial na bandeko oyo baza na bonne volonté et jusqu'aujourd'hui inversion des valeurs et ils raté pas na bango. Inversion des valeurs le long nakati ya mboka na biso est commis au top, au point. Vous verrez quelqu'un qui escroque quelqu'un et puis à l'équipe na quoi qui se passe pour un Yankee. O ngana Yankee. Et yo mon ngana nga kutuna na melier. C'est-à-dire Amélie mais yazo ba ki ne yaza Yankee. C'est-à-dire aujourd'hui ba auto ando benga ba senzi hier le lo ba koma ba Yankee. C'est-à-dire to changea ki momu senzi to pesa ngo couleur mon boy koma ote nga Yankee. Or Yankee ça induit tellement du point zéro ne balowaka. Ça c'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est capable de servir. Quelqu'un qui privilège les autres. Et lorsqu'il tombe sur un point, il n'a pas besoin seulement de protéger ses propres intérêts. Lui, il vise l'intérêt général. Il faudra ce que Moutouna Moutou a retrouvé par Naï. Tu vas me causer le gouvernement Ibima, gouvernement enfin Ibimi. Est-ce que le gouvernement congolais aura encore besoin à deux excuses? Plus de 60 jours. D'attente, toi, on attendait. Et aujourd'hui que le gouvernement est là, nous avons besoin que le moteur puisse être mis en marche pour Congo et décoller. En parlant, je suis en train de voir, je crois Jordan est en train de nous illustrer les images, il y a Bande Konabiso, on a béni. C'est ce que moi j'avais toujours dit. Nous devons faire très attention. Il ne faut pas réduire le Congo seulement en une province. Le Congo, c'est un pays très vaste. Où le Congo, dans son entièreté, est au pays 3-4 fois. Dans le Congo. C'est-à-dire que le Congo, en principe, il y a beaucoup de gens qui ont été en légèreté. Parce que c'est un pays tellement vaste, qui contient tellement de gens, où il y a des gens qui ont été en concentration. Et où il y a des concentrations. Les gens, nous avons vu. J'ai suivi la délégation de Konabiso, Bauti Beni. Dans ma déclaration, ils sont venus pour prendre le président de la République. Parce que cela a été promesse. Sur le langage politique, les gens diront que, vous savez, certaines choses dont le président expose sur l'espace médiatique, il n'y a pas de D'après la réflexion de certains, bande konabiso ba awa ba futi ba frein na bango moko. Jordan, si tu peux nous illustrer les images en quelques en une minute en fait. Les images de ce qui se passe à Goma. Vous savez, avant de nous attaquer aux érosions physiques, nous devons tout d'abord nous attaquer aux érosions mentales. Érosion pour ebima na miso ba batuboe. Et bandarana nous na mutu. Donc nous devons d'abord que l'assainissement doit commencer par les cerveaux des Congolais, des dirigeants congolais. Aussi longtemps que dans leur tête il y aura des bavures, il y aura des fissures, il y aura toujours érosion.
Donc ça dit ndo mozo mona bwana kata mito ba konzi ebele ba erosion mataba o mona kana niti ba delvo eza na mito na bango mais mon konzi na mboka un dirigeant. Et cela ne va jamais nous étonner lorsque nous tombons sur un dirigeant qui n'est pas en mesure de rendre service à son peuple. Il y a un intérêt. Ba ministre, vous avez été nommé ministre. Bravo, Tobé Télémino Maboko. Mais est-ce que vous pouvez relever ne fût-ce que le défi? Les Congos va mal. La République démocratique va très, très, très mal. Le pays se trouve dans un état chaotique où certaines choses ne s'expliquent pas. Nous avons toujours répété et nous continuerons toujours à répéter aussi longtemps qu'il n'y aura pas de solution. Les Congos, un pays potentiellement riche, avec un peuple extrêmement pauvre. La pauvreté dans la vie des Congolais est tellement intense que na niveau motozo qu'on va vous expliquer à mon souci. Moka Ozara a deux classes, extrêmement riche. Extrêmement pauvre. Donc ça dit quand il y a un bon cannabis au tous en bateau, ça dit bazan un bon et belé. Ce truc peut être dans la phase à babola, ça dit mon bola à niveau moins impossible. Classe moyenne est à la rater. Or aussi longtemps qu'il n'y aura pas la classe moyenne, il y aura difficulté à stabiliser le pays. La France a traversé également cette étape. Mais les Français se sont dit non. Nous devons nous battre de façon que pour nous puissions relever le défi. Babunda ti ba classe sociale, ba comment on a trois classes. Mais dans notre pays, c'est le contraire. Chers dirigeants, nous vous aimons beaucoup. Gouvernement Sama, nous sommes d'accord avec vous. Maintenant, vous êtes nommés. J'ai vu en image. Na moni ba ndeko ba nommé bango awa, champagne na butuana. Le respect à couvre-feu, ça l'a quitté. Dans mon cas, dans le cas de malgré Mbou, là, ces jours-là, je crois qu'il y avait une pluie. Et Beta Kiti, air mort tardif. Mais Natali, il y a une statue à Bandeko. Il y a une image à la tête pour les athées. Donc, il y a une statue qui n'a pas exposé vieux boy. Prochainement, on a exposé en gros. Mais du moins, nous avons vu quand même comment est-ce que les gens ont fêté. Effectivement, les gens, vous pouvez fêter. Nous sommes d'accord. Mais les minimums de soucis de la population, les minimums de soucis de ce grand peuple, le minimum de soucis de cette patrie qui aujourd'hui est en train de se faire de chiqueter. Le coup là-bas, papi, amike, mike, bana, mike, bao, sala, ma jena, bango, ya bosoto. Bilo, mama, yoto, bazo, kata, kata, ba, papi, ne, RDC, komi, lelo. Vous qui devez diriger le pays, vous a nommé. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous savez, Nekomo Kabanda et Koibsanga, Essinga Kebino Bomonaka Mabe partout. Je lui ai dit, vous savez, si aujourd'hui, le président de la République est en train d'être salu, c'est parce que son entourage n'est favorisé Makamounion Sotouana. C'est lui la communication et média. Moi, j'ai toujours dit cette histoire. Tous, nous avons appris. Vous devez faire très attention. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes des Bantous. Lorsqu'il fait noir chez les voisins, ne te rejouis pas. Vous savez, nous sommes des Bantous. Pourquoi est-ce que ça, la Marabongo? Parce que sa culture n'a biso. Les lots n'a qu'à quartier, toujours n'a qu'à avenue. Ce qui les lots chez le voisin, il y a des. Bolingate, à ta porte, il y a le pangoué lundi, papa zalaka méchant, zalaka n'amboa ou est l'andarabatu. Vous verrez que ce qui a clôturé, c'est à Kokangamboa naï. À côté, Kachan naï, bandekoun soubatia bakiti kuna. Si Toki ou Kene Moussika, vous verrez même à cause de la catafalque. Pourquoi? C'est parce qu'il fait noir chez le voisin. Et il sait qu'il a liké l'emba. Le jour où il fera noir chez lui, le voisin fera aussi la même chose. Le voisin fera la même chose. Or, chez les Congolais, c'est le contraire. Bandekobozo, mais la culture, il y a papa, il y a tous, ils ont besoin d'un goûter.
L'autre fois, j'avais dit ça. Vous voyez ce que ça, vous voyez ce que ça donne. Le pays ne va pas bien. À l'Est, il y a toujours des problèmes. Tout ce qu'au monde, on a déclaré départ, il y a Monisco, à Goma. Au moment où il fait noir, au moment où les choses ne marchent pas, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des présidences, les autres, comme on a des présidences, il y a des shooters. Moi, je me pose la question. Parce que l'image, tout est chef de l'État, il y a un message. De l'État. Vous exposez le président de la République. Le président qui a fait, il y a sa moussa na e, na champagne mouke, nengazo, azo mache, ale bino kote, nana ma photo. On se pose la question, vidéo, na esbima ki ndengeni. Ebima ki ndengeni ni. Ndeko Jordan, je crois qu'il y a un peu la qui s'habitue à taille en haut. Colombie. Papa, si tu as dit que 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 tu as Image au réseau circulé dans les réseaux sociaux. Et bima qui n'engue nini. Or, il y avait des experts en sécurité, en matière de la sécurité. Bazala qui n'a qu'à Tiwana. Image au réseau bima n'engue nini. Au lieu que le président puisse avoir une image de quelqu'un qui est en train de se battre pour son pays, les lobes a commis qu'au collé président, la biseau image et après présent, mon comptadinga la festivité. Quelqu'un qui aime bien festoyer. Et ça crée des ennuis, ça crée des problèmes. Au moment où à l'Est ça ne marche pas, l'autre fois, on a le message qui est en haut. On a le message qui est en haut. On a décapité 15 femmes. Dans l'Est, on a béni. Nous avons vu des images parce que moi, tout le monde a une image. Ils ont été pour voir YouTube. 4 jours après, 22 personnes ont bombé dans l'Est. Regardez dans la condition nini bande quoi na bazo kufa. On se réveille un bon matin comme ça, on se réveille sur le tout réseaux sociaux mobimbeza koinda président Batamina sima ya porte na bouquet de fleurs ya munene. Vidéo peut circuler président Bimi. Jordan peut akuki kola kisabiso ba image autant on azo le même akuki kola kisabiso ba image ya ngo. C'est ce qu'on nous propose maintenant. On se réveille biloko wana sur tout na posa question awa. N'a posé la question. Ah, pensez-vous que Kabila n'a jamais été romantique? Le président a droit à une vie privée. Il a droit à une vie privée. Parce que tu le battais parce qu'à l'Est, Bitoumezali, président Aliate, non. Il a le droit, il faut Alia. Amelate, il faut Amela. Azamoutou. Mais du moins, lorsque ça concerne la nation, lorsqu'il faut qu'il y ait apparition médiatique, nous devons faire très attention. C'est lui la communication à la présidence. Ah, tous en France, t'es. Ah, tous en États-Unis, t'es. Oh, Joe Biden a bimé na moisi naie, baza na plage na bikini, bukangi photo boche. Ah, tous en kunate. Nous sommes en train de nous battre pour que ces pays puissent décoller, pour que ces pays puissent aller de l'avant. Maintenant, ces 3 ans, nous avons consommé 3 ans. Quel est le bilan au boki qui est exposé par le peuple? Dans 3 ans, oh yo. Vous allez réduire le Congo dans ma camba saute mouton. Le bilan, il y a un peu de temps, mouton. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. C'est réduire. Ça, c'est réduire le président de la République. Ceux qui ont un peu de temps pour le président, bon gouverneur Gentini. Bon, on mis ça à la gouverneure Gentini. Et ça, wapi. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Lorsque nous parlons, ce n'est pas tout simplement parce que nous avons besoin d'acharnement. Nous avons dit que nous, yo, Alain Dele, tant que Kabila, on ne l'a pas. Zonga n'a pas image. Le réalisateur, Zonga n'a pas image. Kabila a été au pouvoir. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit.
ngai na banda ko laboyi. Si je n'ai jamais été, je n'ai jamais fait partie na équipe kinda kingakati eza po na yango. Ce boyi bakati. Moi je n'ai jamais été kingakati. Nga na kenda kingakati. Et ceux qui na kenda kingakati eza par rapport ya ba analyse, point de vue na position nga na zoa. Et ça là ki nga na kenda kingakati. Est-ce que nga na zana nzalate? J'ai aussi faim. J'ai aussi faim. Du moins, s'il faut dire oui, je dis oui. S'il faut dire non, je dis non. Je n'ai jamais été de la partie à Mandeko. Oh, bah, fan bazo bete la. Oh, t'es maman, Olive, ma boko, maman. Je n'ai aucun problème dans maman là-bas. Mais tout ce que nous disons, c'est tout simplement parce que nous avons le souci. Congo, oh, et Kendeli Bosso. N'a posé la question l'autre fois. Vous êtes le premier à écrire. Tous les exemples, il y a comme on a ça pour être au Salama récemment, il n'y a pas très longtemps. Bon, moi, je suis comme on a ça, je suis comme on a ça, je suis comme on a ça, comment c'était? Je suis comme mal à l'aise, pourquoi? Parce que je suis comme on a ça. Alors, ne prenons pas cette histoire à la légèreté. C'est comme si à S, c'est ça, bon, est-ce que S, c'est pas l'yakate, bah, mais l'yakate. Au fond, il y a un poteau, il y a un lili, il y a une condition, il y a un lami, il y a un lami. Ote magamana bozo bolingisko fachia salanini. Bolingi fachia salanini. C'est ça. Et vraiment, un Congolais qui réfléchit comme ça, je ne sais pas. Nous faisons face à un Congolais à nenge. Congolais à nenge nini, juste. Il y a un virus qui ronge les Congos. C'est la distraction. Il y a un virus qui ronge les Congos. C'est le fanatisme. Il y a un virus qui ronge les Congos. C'est des gens au bazar aigris. Parce qu'on a mis le tribalisme yango est commis au point. Toloba, tolobate. Dossier Katanga yango. Toloba, tolobate. Et les politiciens, les dirigeants de ces pays, nous ont habitués. Il y a un système, c'est-à-dire ceux qui va monter, qui nous montent au pays, babimi, balobite, to chekimia, makambo kozala nango malamu, eza bongote, to beteli bango maboko. Biso to baluki na sima na butu, va continuer procédure na bango. Va continuer la procédure. Tout le monde a un Sénat, tout le monde a une Assemblée nationale. Et ça partout. Les Congos aux Congolais. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alors nous enterrons les choses parce que les gouvernements sont les cas déjà. Awa siko yo, to komi na bande koya sika o bakoti. Bande koya sika o yo bakoti. Espérons. Qui a changé dans la carte de Mbo Kanabiso. Il nous reste que 2 ans. Il nous reste que 2 ans. Il nous reste que 2 ans. L'entourage du président de la République, vous devez retenir quelque chose. Si aujourd'hui, si encore une année, vous allez passer encore une année en train de traîner dans la même chose, croyez, et je vous dis, soyez sûr et certain que le président de la République en 2023 a poussé à la passation à pouvoir dans Moutoumoussou. Bon ni mayango parce que le Congo n'acceptera plus jamais Moutoazo Nyonga Batou, Azo faire souffrir peuple et puis va continuer Karakozo Nguissaye à pouvoir. Vous pouvez me faire confiance sur ce point-là. Tokangada Talelo. Aussi longtemps qu'on donnera toujours l'image, président Nabissa Ozaka na image à Bafet. Osaka na image ya kotambola, Osaka na image yo bopesa yo wana. Parce que bino c'est vous. Bino ne batu bosala makambo wana. J'ai posé la question. Je crois que c'est pour la toute première fois que nous puissions avoir plus de conseillers. Ba conseiller nyo soto oyo. On sous-entend que déjà baza ba expert na ba matière nyo soto wana. Et puis la plupart va conseiller bande ko bouti poto. Je me pose la question. Est-ce que vous avez eu le temps d'apprendre en Europe? Est-ce que vous avez eu le temps d'apprendre aux États-Unis? Est-ce que vous avez eu le temps ya ko luka ko maîtriser politique na ba on ngezo ki ne po bo copier ata malam bo meme la biso ah. Mais nous vivons dans ça c'est quelle jungle au fait? Oza jungle nini auto tambola nango. Voilà pourquoi ce que les latinistes ont toujours dit canis caecum, le chien conduit l'aveugle. Alors qui va diriger l'autre? Nous devons faire très attention. Je crois que mise au point Torotikangote parce que Tolobakango natina. Tolobakango parce que ce Congo nous appartient. Maramaboy salama kati ya mboka o nyoso pasi eleki. Donc aujourd'hui on va nous proposer un élément. Il y a ndeko na biso moi si vous vous imaginez cet enfant de 3 ans. 3 ans. Maman a s'est décidé
lokola alembi moto atia ezemi asundola e akenda na ye mama akoki charge te andimi a même azemi o pendant 9 mois premier mois deuxième mois troisième mois a forcé te avorter 4 5 ti akoki si 9 mois akepe aboti mwana oyo 1 mois 2 mois ti mwana akoki si une année azo garder mwana akoki si 2 ans azo garder mwana akoki si 3 ans na 3e année ndeko mwasi a se décider akende kobwaka mwana abwaka wapi abwaka parce que alembi na evi mwana azo tie kaka akende po sa la vie ne mususu et elle se décide abwaka mwana na wapi azui mwana aki na maya njili mwana azo tambola mwana azo mona mwana azo loba azui mwana abwaki na kati ya mai. Cet enfant devait partir, mais Dieu, par son amour, n'a pas permis que cet enfant puisse mourir. Mwana oyo abandi mai et memi et bwaki na tourbillon place tourbillon zali. Mwana zo baluka na place wana na mai wana mai zo balolae et zo balolae et tout ce côté ya bambou. Mwana gangi. Ne bandeko ba pêcher, ba se dépêche mbango. Baki pona tina na ko sauver mwana botalana eta mwana mwana kitoko boye babwa ki pona ni parce que ba difficulté ezoleka. Je me pose la question mon thème bon maman za wapi. Suivons d'abord en image et on se retrouve tout juste après. Pesi pesi tozali bongo na commune ya Limete Salongo jeune fille o bozali komona soko talie bien boye azali na santé ya malonga azali pe bebe surtout kaza na nzela minu kasi atsali makambu ya soni mambu mantoni botu na nga sali nini alingi abwaka mwana mwana na yango pe yeyo soki botali photocopie identique en couleur oye na mwana na ye bakukana na ndenga de foite kombo ya jeune fille o ezali Dorcas babenga kaye ya dodo lokola zwaka zemi mkolo zemi kombo na ezalaka bongo mboshi lipasa mboshi atali gauche atali droite musale zate tula mwisi ya zaza akima na ye responsable jeune fille mutakoma kozwa charge ya mwana na ye akomise lokola guida partout amemaka ye na lipeka et ya gauche et ya droite butu pe moyi akendaka na ye partout ameki ameki mwana komi na 3 ans atali kaka boye mwana oyo azali kokanga ye avivre bilenge ya mokili abi na bwaka ye akenda na ye inde inde na ndenge akonana malembe atali gauche atali droite abwaka ye na mai ya njili mwana dubuki akukuli heureusement bato bazalaki po balobaka kote mutakufaka muto azalate soki mutaza akosove yo balanda mwana o babimisa ye na mai mbala moko basali bankete baye na ye na kati ya souci ya oyo yoka communication ovandaki epa kamarade na biso mosusu po tozwaka mopepe wana pembe na mai alors tovandi pembe na mai toyoki kuna moto ndingi abwaki matiti abwaki matiti biso toyebika ke moto abwaki matiti akei na ye tomoni ye te kala mingi te tomoni mbala moko moto abandi mwana azosala boye na mai biso toyebi te mwana moke to mokolo tolobi me ndenge nini mutue 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 tobelela mutue tomoni azo nage le tozoloba na mai courant de meme deja sa babambu nayebise nalobi mais masa ndeni ozopeade boye kanga bambu kanga bambu toya tobenda yo zokazalaki mwana moke na age oyo titokasi mokolo lere akotokanga bambu te bambu mena egrate ye lere bambu ya mai egrate ye nde mwana ye koganga lere mwana gangi toyoki mongonga mwana biso tu mutu na se ngai oyo nakimi mbango na baninga mosusu nabengi mutu ya bwatu grand viki komona eviki mutu ya bwatu yaka na bwatu yaka na bwatu abi nazala kriyanga abi te eza mukolo te eza mwana muke aza nanu na bomoi yaka yaka ozwa ye en tout cas Dorcas ya dodo sali makambo soni mpo na minute oyo ezali na bato na mangengenge bamisusu bazali na luzizila na eglise bazoyemba na bota ye nzambe na lola kasi yo ozwi mwana kitoko boye okei na ye obwaka ye eya normal te so olembi mwana luka ta baorfelinat oyebi kombe baoluka bana obwaka mwana na kinshasa lelo yo pe ndeko mwasi ya otala boye yeba deja ke awa yo mpo komi kotia kinshasa na mutu esuki eloka ya boye so oza mayele te okotambola na mwana olokola gidar apo oluka place obwakela ye
ba okanga yo zwa fimbu na ninga defoite ya témoin yebisa biso remina akuvite po anine mwana o ya sala nzambe ngana zolo bango za mira transami atune na tubio ya manji liboye atune boye na tubio tubio essentiel 5 fois ekei mwana mama kobuka na te yo kali solo mama Justovic yende coach le poste ya nzoto na bino aina bakisi ozo traité ba tempo banduta boboko na nenga na nenga opesa kambindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi vieissima o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma kokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka mama Justovic okozonga lekeleke mwete mwete ku Maman na ngai Babi mama Justovic azo soigner nyonso etali l'opposé en toto na bino yo muto betela ba tempo et sala keza mbete si la kate elonye nzuluka et comment lokom batume na depo makala yaka pote bi docteur zaka kamoko coach zaka kamoko kozoe ezana ngo facile azape na Facebook WhatsApp ba site nyonso internet tokyo lingozo ba produit na e livraison na ngo za partout dans le monde tobeta www Justovic.com Azosé la paix contributive Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 Nabwaneli Lissousou plus 44 74 24 025 737 Balapa. Zamba yebisingai na fête ya Kana Jésus a bongola ki mai vino kasi sali wana bato ba mona kité yamba soufflinga bikenda na veni luka na direction Birmani derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komuna sali wana yango na ye po ye nzambe akosa kate ponga na yebisa nzambe wana so akosi ngana ye tolo banate Du nouveau à Kinshasa, Ngiringiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible. Bien aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, ni le part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali. Entre fête au Kendaka, il y a voisin na yoto voisin na yo. Ce qui kebo kesinizali ya solo fête ya yoko sala boko na te. Ya yo ya kanangwao. Ya kanangwao. Ya kanangwao. Merci. Merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je crois que vous avez suivi ces images. Je me pose la question. Humanisme et kendab. Puis ceux qui te lobby ou te lobby. Alors nous sommes en train de demander na bandeko au bas la maramba boy. L'orphelinat Christ rédempteur est très très ouvert. Et aligne dans disposition na bandeko oyo. Olimbia tamouana pesa tabiso tobo kolaï. Ozana et sikate. Du moins, Neko Jordan ko la ki sabiso ba image ya orphelinat place ezali. Yo posa Neko za na besoin au soutenir orphelinat parce que nous voulons tout simplement tozan j'ai toujours dit une chose. Nga naza politicien té. Nga je n'ai jamais été élu quelque part. Nga je n'ai jamais été nommé ce qui nani na kati ya mboka o. Naza kaka simplement panzi sango. Mais na muke o yo tozozo wa, tozolo ba ke non té.
tu sangana maman Marie tu l'bite maman Marie au moins tout ça la négé ni tu l'bite tout ça la boue tout ça la boue. La fondation est à votre disposition Mandeko. Vous en avez besoin quand t'as peine à quitter la fondation dès le cœur de la nation. Kota benga biso na numéro zali affiché wana. Aux appena besoin au sunga bande ko na biso. Si seulement nous pouvons créer un bloc tout ça la bloc moko boye et à la taille il y a 500 personnes. Je crois que nous allons faire face à beaucoup de choses. Bande ko c'est maintenant ou jamais. Le Congo a besoin de toi. Le Congo a besoin de moi. Jordan va nous faire voir quand même les images à Orphelina. Ndak oyo nyon soto ya monene oyo ezali na disposition ya bandeko oyo bana oyo bazangi sika ya kovanda orphelin de père et de mère azana no mukie omoni kito ki ko récupérer benga biso na numéro na lwaki no ndeko alendele mwana moko babwaka ki aza bébé aza place boye boye biso toko longwa toko disposer déplacement toko kende verbe sika mwana nazali to récupérer le Congo de demain a besoin de ces jeunes. Le Congo de demain a besoin de ses enfants. Yo aux otalanga ceux qui ba bwaka yo peut-être ngo ko ma place aux ate. Nga ceux qui pe ba bwaka nga peut-être nga na ko ma place aux nazate. Alors nous devons protéger la jeunesse. J'ai toujours dit toyo karane ba bisa biso que non la jeunesse est l'avenir de demain. Mais lorsqu'il faut réfléchir, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis quel serait l'avenir de la jeunesse du demain. Quel est l'avenir il y a jeunesse il y a lobby parce que jeunesse na biso ezali car a juste exposé na zododo supuna tolo batil mikolo eloko bi mikolo asikanini bombé ça dure tio d'échappement à mutuka ba poussière za nakati bande ko bakomi kozango ça dire eza drogue. Je me pose la question makambo ezo utawapi et des gens les jeunes passent leur temps comme ça. Bazomela biloko na makasi makasi. Au moment où Rwanda ka Rwanda awa, ezozo bana na bango ba jeune, boki ne kotanga na Angleterre, boki kotanga na États-Unis, nouvelle technologie boki ça là on a reçu. Boki ko yeko lango par-ci par-là, boki na Chine. Et apporter cette connaissance na kati ya mboka na biso afin que mboka ke liboso. Et bongo Congo ya biso. Et c'est comme ça que vous verrez que Nakati Abanani nous sommes entreprises nous sommes à l'état haut. Bah papa va l'ingakoti comme ça là. Ah j'arrêterai tes coca papa l'ingakoti kati. Kaka na Congo ne tozo mona ki mutala na 70 ans. Akendaka biro 80. Akendaka biro. Oh papa, okendaka ti le lundi nini. Et bon on a retraite non papa singa tena oti comme ça là nini. Vous imaginez dans quel pays où nous sommes. Le Congo est notre pays. Le Congo est notre pays. Nous devons soutenir le Congo. Alors, je voulais suivre les images. Il y a Ndeko Nabiso, pasteur, et évangéliste Patrick Kalala. Donc, en images. Et nous allons nous retrouver très, très prochainement. Merci beaucoup. Au revoir. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons. Dans le cadre de cette grande émission, une émission chrétienne, l'émission de tous les enfants de Dieu, on va parler d'un thème très important, comme vous voyez, c'est indiqué au bas de votre écran, phénomène délivrance d'un chrétien ou d'un fils de Dieu ou d'un fils d'Abraham. Est-ce qu'un chrétien peut-il être délivré? Est-ce qu'un fils d'Abraham peut-il être délivré? Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 13, lisons à partir du verset 10. C'est parmi les rares fois dans la Bible on voit ce terme délivré. Une autre fois encore, j'ai entendu ça dans la bouche, dans la Nouvelle Alliance, voudrais-je dire, dans la bouche de l'apôtre Paul, qui parle aussi du terme délivré. Notre thème, comme vous l'avez vu là, nous voulons éclairer les peuples de Dieu là-dessus, sur la notion de la délivrance. Qui peut être délivré? Est-ce qu'un chrétien peut-il aussi se faire délivrer? Peut-il rechercher sa délivrance aujourd'hui dans des églises? Les gens sont en train de prier, délivrance, délivrance, délivrance. Il y a également un vent des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui disent non. Ceux qui vont chercher la délivrance des églises, ils ont perdu la tête. Ils ne connaissent pas c'est quoi la délivrance. Jésus-Christ a tout apporté à la croix. Il a déjà fait tout ça. Tu as cru en Jésus,
tu n'as plus besoin de la délivrance. Parce qu'il s'est déjà occupé de tout. Il a dit, tout est accompli. Et maintenant, les enfants de Dieu sont dans le caisse qui est Sénéchat. Où aller? Est-ce qu'un fils de Dieu a encore besoin d'être délivré? Point d'interrogation. Mais la suite va nous donner maintenant l'identité de la personne qui bénéficie de la délivrance. C'est Jésus-Christ qui nous éclaire. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Est-ce cette femme et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans? Cette femme, si c'était arrêté là, on allait toujours avoir beaucoup de points d'interrogation. Mais Jésus continue en disant, qui est une fille d'Abraham? Dieu a fait l'alliance avec un homme dans ce monde, on l'appelle Abraham. Il dit, je te bénis, je serai ton Dieu, le Dieu de tes enfants, de ta postérité, de génération en génération, je bénis ta descendance. La Bible dit que personne n'est maudit celui que Dieu a béni. Mais là, nous voyons quelqu'un qui était de la descendance bénite de Dieu, mais qu'on récupère par le diable, on les lit. Diable viole des territoires. Il rentre même dans le camp des enfants de Dieu, il les récupère, il les garde captifs. Dans le physique, vous voyez seulement que quelqu'un souffre de cirrhose des fois. Il se laisse cancer. Mais quand quelqu'un de spirituel arrive, il regarde attentivement, il comprend qu'il y a une main noire. Et Jésus a détecté cela. Ma prière est que Dieu nous donne des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des fils et des filles de Dieu capables de détecter, de repérer la main noire qui est cachée derrière des événements, derrière des situations qui vous font pleurer. Si c'est la maladie, que tu sois capable de voir quel est l'esprit qui agit derrière. Je pose la même question à quelqu'un. Est-ce que là tu vas prier aussi, les hommes qui te conduisent, les hommes de Dieu, voient également comme Jésus est en train de voir? Ou bien tu es dans une synagogue où les gens accordent beaucoup plus l'importance à leur bête? Chacun de nous se retrouve dans un domaine tout comme dans un autre où on t'a imposé un dos courbé. Tu ne sais pas te redresser. Tu fais tout pour te redresser, mais il y a une force, une main noire que toi tu ne sais pas voir peut-être malheureusement. Mais ce matin, la prière élevée de mon cœur, qu'en suivant attentivement ce récit, cet enseignement de l'homme de Dieu, que vous compreniez qu'il y a également des véritables mains noires qui justifient la persistance de certains cas de maladie, la persistance de certains cas d'échec perpétuel dans nos vies. Ça peut être sur le plan matériel aussi, ça peut être dans les affaires. Tu as toujours un dos courbé, on t'a imposé un système, une position que tu ne sais pas améliorer. Je me souviens de Jaïbeth qui priait également. Si tu pouvais étendre mes limites, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Il y a des réalités spirituelles cachées derrière certains faits, certaines situations auxquelles nous assistons dans notre vécu quotidien. Ma prière ce matin, que chaque enfant de Dieu cherche un peu à découvrir qu'est-ce qui est derrière cette position du dos courbé que tu occupes. Donc pour expliquer là le phénomène chrétien, délivrance dans le milieu de chrétiens, donc là nous voyons déjà que Jésus-Christ rentre dans un temple. C'est dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas vraiment la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance commence avec l'Église primitive. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend là. C'est des gens qui pensent que quand c'est le Nouveau Testament, donc c'est la Nouvelle Alliance. Non, non, non. Nouveau Testament, oui, parce que c'est depuis la venue de Jésus. Mais la Nouvelle Alliance dans la dispensation de la grâce, c'est après que Jésus-Christ soit crucifié. Donc tout ce qu'il faisait auparavant, c'était toujours dans l'ombre un peu. Transition entre l'ombre et la réalité. Et quand il est mort, il a versé son sang et l'Esprit de Dieu vient. Là maintenant, nous entrons dans notre dispensation de la grâce. C'est ça, la vie du véritable chrétien. Mais avant d'en arriver là, ici déjà nous voyons Jésus-Christ qui parle de l'ombre. Dans l'ombre, c'est l'alliance avec Abraham physique. Abraham dans la chair. N'oubliez pas, je vous ai toujours parlé de ça. Dieu dit à Abraham, ta postérité sera comparable aux étoiles du ciel. Dieu ne s'arrête pas là, il dit encore, mais ta postérité sera aussi semblable au sable de la mer. Je vous ai toujours dit qu'il y avait deux catégories de postérité. Quand on parle de postérité, c'est-à-dire la descendance. Tes enfants, ils seront comparables, premièrement, au sable de la mer, deuxièmement, aux étoiles du ciel. Et quand on parle de sable de la mer, on voit la terre. Là, Dieu pensait à la descendance d'Abraham d'après le premier Adam qui est terrestre.
donne naissance par accouplement. Et pourquoi Thérèse? Parce qu'il a été tiré de la poussière pour être créé. Là, c'est Adam, le mari de Ève, l'époux de Ève. Et il dit à Abraham, ta postérité sera également une postérité terrestre. Ça dit que tu vas avoir une femme, Sarah, et avec Sarah, vous allez donner des enfants. Ils auront des petits-enfants, ainsi de suite. Isaac, Jacob, on descend jusqu'aux Juifs que nous voyons là. C'est ça la postérité biologique d'Abraham. Parce qu'ils sont nés d'après le rapport sexuel, selon la reproduction du premier Adam qui était terrestre. Dieu compare maintenant cette descendance-là au sable de la mer. Il dit, tel que les sables de la mer seront nombreux, c'est comme ça que sera également ta postérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et il dit, ta postérité sera aussi semblable aux étoiles du ciel. Donc, tu n'auras pas seulement des enfants biologiques, mais des enfants qui seront tes descendants aussi, mais à travers un nouveau Adam. Tu vas les avoir à travers la multiplication, mais pas par les rapports sexuels, pas biologiquement, mais à travers la reproduction d'un nouveau Adam qui est également ta descendance. Vous allez voir, on place Jésus-Christ, on va le greffer dans la généalogie de Jésus d'Abraham. Abraham engendra, un tel engendra, un tel engendra. Là, on parle de la 42e génération. 12 générations depuis Abraham jusqu'à ceci. De 12 générations de tel à tel, 12 générations de tel à tel, et puis à la 42e génération, on introduit Jésus. Bien qu'il ne soit pas né biologiquement de Joseph, mais on l'introduit là-bas. Pourquoi? C'est pour justifier cette deuxième postérité. Donc, c'est par Jésus qui est le deuxième Adam. L'apôtre Paul dit, le deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus. Comme le premier Adam a failli à sa mission, il s'est laissé dominer, il s'est laissé voler par Satan. Il fallait un deuxième Adam. Le deuxième Adam, c'est Jésus. On l'intègre aussi, on le greffe dans la descendance d'Abraham pour justifier le fait que nous qui sommes nés, qui avons cru en Jésus, nous sommes nés en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures, et par Jésus que nous soyons aussi appelés la postérité d'Abraham. C'est pourquoi dans Colossiens et dans Galates, la Bible dit ceci, « Et tous ceux qui sont en Christ sont aussi la postérité d'Abraham. » Mais selon quel type de reproduction? Ce n'est pas par les rapports sexuels, mais nous sommes nés selon, c'est par Jésus. Tous ceux qui ont cru en Jésus, ils deviennent des nouvelles créatures, ils sont nés en Christ. Comme qui? Des enfants aussi d'Abraham. Donc, ici, Jésus-Christ parle d'une fille d'Abraham dans la chair. L'apôtre Paul, lui, va venir nous parler des fils et des filles d'Abraham dans l'esprit que nous sommes. Donc, ça, je suis en train d'abord de montrer comment est-ce que, dans l'ombre déjà, Jésus est en train de nous prouver, noir sur blanc, qu'un fils d'Abraham, bien qu'étant d'une postérité bénite, tu peux également te retrouver lié dans le filet de Satan. Nous sommes les enfants d'Abraham comparables aux étoiles. Les étoiles sont où? Les étoiles sont par terre, bien sont au ciel. Les étoiles sont au ciel. Donc vous et moi, nous sommes fils d'Abraham qui se sont reproduits selon Jésus-Christ qui est le deuxième Adam et lequel est céleste. Voilà pourquoi nous sommes, nous, chrétiens, les nations, comparables aux étoiles du ciel, mais fils d'Abraham, comparables aux étoiles du ciel. Et Israël biologique, les Juifs que vous voyez là, ce sont les fils d'Abraham comparable au sable de la terre. Que ce soit eux et nous, nous tous nous constituons les descendants d'Abraham. Voilà pourquoi nous les chrétiens aujourd'hui, nous disons nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Mais voilà que Satan vient, il saute la muraille, il rentre même dans la parcelle des personnes que Dieu a bénies. Vous vous souviendrez les jours où Balaam allait pour maudire Israël qui est le peuple de Dieu. Là c'est Jésus-Christ qui enseigne aux disciples. Ce n'est pas moi. Il dit, vous là, vous m'avez cru, mais vous pouvez également vous retrouver dans les liens. Et là, dans ce cas précis, il y a une autre prière à faire. Dites à Dieu, délivre-nous du malin. C'est Dieu qui vient délivrer les chrétiens du malin. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Patrick Alala, parce que c'est là où on fait des services. Retenez le programme. Tous les mardis et tous les samedis. Mardi et samedi, sur la chaîne YouTube, Patrick Alala, des enseignements sur la délivrance, mais aussi des prières.